Je vais d'abord, effectivement, moi je vais suivre après. Ce petit-là, chez toi d'abord, je vais te fracturer! Je vais te fracturer aujourd'hui! Tu vas faire ça faire exprès, arrête les blagues! Je vais te fracturer, petit! Moi j'ai joué à CG en 1990! Il a dit 90. Boris, c'est trop moche. Je suis moche, il n'y a pas de souci. Que pensez-vous de la conjoncture actuelle? Vu qu'étant donné. Vous êtes confiné. Ce fut un moment très réfutable. Pocos, every misto m'a quitté, like. Il parle en anglais pour se camoufler. You speak English? Attention. You speak English? C'est quoi ça? Absolument pas. Il faut dialoguer. Absolument pas. Tu sais très bien qu'on ne parlait pas anglais. Pourquoi tu me parles en anglais depuis tout à l'heure? Toto Zadio. Toto Zadio, calme-toi. Ah, ferme-la, toi. Ferme-la. Maurice, tu utilises quel dentifrice? Parce que c'est tout blanc. Colgate Max White, with an ablendo. Tu utilises les dents blancs? Tu as perdu. Tu as dit de quoi? Tu l'as dit. Il a perdu. Il a perdu. J'ai fait. Un criminel, tu as perdu. Vous êtes ensemble. Effectivement, tu as perdu. Vous êtes ensemble. Moi, je fais très attention à mes mots. Ah bon? Ah bon? Yes, si. Yes, si. Est-ce que tu es su, même? C'est un petit comique. Hein? Alors là, je suis vraiment époque. Hein? Du coup, c'est quand le mariage? À ton avis. Moi, vous m'avez dit en août. Est-ce que c'est en août? Tu cherches à sponsoriser ça, alors? Est-ce que c'est en août? Tu nous demandes tant que je ne savais pas. Non, on vous invite direct pour le mariage. Alors, surtout toi. Tu viens de perdre. Je te le promets, tu viens de perdre. Tu as perdu. Au revoir, Jenny. Mets-toi sur le côté. Si j'ai dit nous, on vous invite direct pour le mariage. Tu as dit on vous invite direct. Nous, on vous invite direct pour le mariage. C'est sûr que tu as dit ça? Je suis sûre. Ok, il n'y a pas de souci. Certaines. Jenny, tu provoques. Tu provoques aussi, tu as des gros yeux. Dans ton audio, tu parles pas trop. Il parle pas trop, c'est un tricheur. Mais je suis poli, je vous laisse parler entre jeunes. Pourquoi c'est un tricheur? On va pas perdre. T'es sûr? Tu danses depuis combien de temps? Je danse depuis maintenant... Ouf, 13 ans. Et tu fais de la pro. De la pro. Il m'a l'air d'être un peu le maillon faible. Si dans t'es bien. T'as dit le maillot faible. J'ai dit le maillot faible. Tout à fait. Tout à fait. Tu n'es pas si vif. Je te connais personnellement. Et je sais que si on va de ton côté, tu vas perdre. Il pose des questions à Itsu. Alors, Itsu. Le fait que la Guyane soit associée à la France, c'est un peu la même conjoncture, les mêmes lois. T'as été en Guyane. T'as été en Guyane. À ton avis, tu le sais très bien. Pourquoi tu me poses la question? Moi, je te pose la question. Tu dois répondre. Tu as été chez moi. Mais tu vivais de me les dire. Pourquoi il insiste? C'est bon. Oh, monsieur. Et tu continues tes trucs de films qui te faisaient. Je suis toujours de la vidéo. Je suis toujours réalisateur. Il devient chose bâtarde. C'est bien. C'est bien que toi, tu me prends au même niveau que toi. Tu m'attaques moi. Qui a dit? Qui a dit? J'ai dit, tu danses de temps. Qui a dit? Elle a dit. Elle a dit. J'ai déjà perdu. Non, c'est bon. Il reste plus qu'un Brian. La guana, hein. Laisse-moi compter. Pardon. Qui le maillot faible? Jenny, t'es morte. J'aimais bien tes 13, Jenny. Non, c'est pas ça. Pas de physique. Tu as perdu doublement, là. Brian. Tonton Zadio ou Tonton Brian. Tonton Zadio ou Brian. On parle à qui, là? On parle Allô? À qui, Brian? Zadio.
autres adios. À ton avis, pourquoi? Parce que nous sommes les gagnants, nous sommes les meilleurs. Ah. Nous sommes les plus forts. Ah. Et tout. Il m'attaque moi. Ok. Que penses-tu? Tu n'as pas toujours répondu à la question. Que penses-tu de la conjoncture actuelle qui s'oppose face à la Guyane? Es-tu pour? Je sens que tu vas perdre sans faire exprès. Si tu le dis. Foucaille. J'envoie Foucaille pour toi. Non. Je vais toi. Parce que je transmets. Il a perdu. Perdu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Perdu. Il a dit quoi? Non, c'est perdu. J'ai vraiment perdu. Je lui laisse d'abord. Oh putain! Bisous. Je vais vous éliminer. Il va rien éliminer du tout. Ta barbe. Tu veux faire raser ma barbe? Ta barbe va partir aujourd'hui, quoi. J'étais chic. J'entends plus rien. Tu veux faire raser ma barbe? À ton avis. C'est pas possible. Si, il a le droit. Dans ton adieu, je vois que tu transpires. Absolument pas. Alors, Foucaille, la barbe ou les cheveux? Je te laisse choisir. Il est trop... Oh mon Dieu, t'es moche. Ça ne me concerne pas. Je suis moche? Qu'est-ce que t'as fait? C'était un gage. Moi aussi, c'était un gage. Et Itsu, alors tu es bien domicilié là-bas? Ça se passe bien. T'es venu la dernière fois? Effectivement. Ta coiffeuse, elle va bien? Quand si, quand ça. Quand si, quand ça. Il a perdu. Tu sais pourquoi? Il a dit une page du mot. Il est interdit de dire des choses similaires. C'est un synonyme. C'est vrai que c'est similaire. C'est un synonyme. Oui, tu as perdu. Il a perdu. Oh, il vient de dire Brian. Il a perdu. Il a perdu. Comme si. Il a perdu en premier. Il a perdu. Brian, tu viens de perdre. Il a perdu. Jouer avec moi. Il a perdu. Yanguana. Il a d'abord perdu. Il a perdu. Il a dit comme si, comme ça. Comme si. Non, il a perdu. Il n'était pas assez fort. On devait couper les trucs. Il a perdu. Et toi, Brian, comme si, comme ça. Je t'explique, Brian, c'est très dangereux ce qui va se passer. Mais t'as aussi perdu, hein, Boris. Moi, j'ai perdu. Moi, j'ai et toi, perdu. Et toi, perdu. Non. Mettez un commentaire. Mettez un commentaire. Boris, activez les commentaires. Activez les commentaires. J'active les commentaires. Et toi, perdu en premier. Il a dit comme si, comme ça. C'est là que j'ai dit oui, tu as perdu. Comme si, comme ça, c'est pas perdu. C'est perdre, comme si. Si, c'est pas perdre. Quand tu dis si, tu perds pas. Hein? Non, Et tous 7 fois. Mais non, c'est parce qu'eux, ils croient que si, c'est perdre. Si, c'est pas perdre. Si, c'est pas perdre. Si, c'est perdre. Non, si, c'est pas perdre. Je vous le jure, vous connaissez pas les Français ou pas? Comme si, comme ça. C'est comme si tu disais oui ou non. Comme si. C'est dit oui. Non, si. Il soit perdu. C'est les Français. Moi, j'ai lu la littérature. Tu as perdu. Brian perdu. Brian perdu. Il a perdu. Beaucoup, tout le monde dit que tu as perdu. Itsu, okay, perdu. Brian, est-ce que toi tu as perdu? Tu as perdu. Absolument pas. Si, tu as perdu, Brian. Absolument pas. Regarde ta femme. Absolument pas. Absolument pas, j'ai pas perdu. Je ne dirais pas les gages, je n'ai pas perdu. Est-ce que tu vas assumer ton gage ou pas, Brian? Absolument pas. J'ai pas perdu. Perdu. On refait? On refait. Absolument pas. Le jeu, c'est le jeu. Il y a d'autres gens. Ouais, le jeu. Bon, Ryan, vous avez perdu. Ryan, prends ton gage. Parce que vous voulez me couper la barre. Il est espagnol, mais je ne parle pas espagnol. Mais il a perdu.
Les gens, ils pensent que j'ai parlé espagnol. Écoutez-moi, yes, c'est perdre. Si, c'est le synonyme de oui. Okay. Non, si il faisait beau, ça ne veut pas dire oui, il faisait beau. Voilà. Ils sont perdus, mais tout le monde dit que c'est perdu. Perdu. Franchement, la vérité, ils sont fous. Ils pensent que c'est le si. Tout le monde dit si. Non, non, non. Et arrête, tout le monde dit si. Tu as perdu. La plupart disent ici a perdu. Si, c'est comme OK. Mais si, c'est comme OK, OK, on ne perd pas. Bah oui, si, okay, ça veut dire oui. OK, les gars, bon. Vous allez assumer tous les deux de toute façon. Tous les trois. Tous les trois. Tous les quatre. Donnez, c'est quoi votre gage pour nous? Ouais. Non, moi j'ai pas perdu. Moi je coupe plus rien. Notre gage, le même que nous. Hein? Si tu nous donnes un gage, tu fais le même. Bah si c'est moi qui donne le gage. Parce que moi j'ai pas perdu. Non, c'est que Boris et Ixou qui donnent le gage. D'accord. Quoi? Susanna doit manger. Ryan, il doit lécher les. Et le lécher comme ça. Pour la TV. C'est comme ça. Désolé. Ah, Ryan. Vas-y, tu leur as donné quoi ton âge? On va donner le. Moi, c'est moi qui donne le pied alors. Si on fait le petit, donne le même. Ils vont donner le même gage. Pourquoi t'as donné ça? Voilà, c'est bon. On prend ce gage. Allez. Et toi, tu lèches les pieds de l'orteil. Ils sont en couple, ils ont l'habitude. Tu lèches l'orteil. Tu lèches l'orteil de Itsu. Regarde. C'est le premier gage que Boris m'a ramassé. Oh, attends, Michel, attends. Ma femme, frère, tu veux faire quoi? Boris, il donne des gages comme ça. Tiens. Attends, mets du sel. Voilà. Voilà. Mets du sel. Oh, oh mon Dieu, je suis mort. Y'a pas de problème. Fais-moi bisous, fais-moi bisous. Bon, allez, Toto. Je suis le caméraman. Allez, let's go. Arrête. À vous de jouer, les gars. Que vous assumez. En plus, tu dois plier des pieds, toi. C'est dégueulasse. Là, tu montres pas le pied bien. Je le montre à moitié sans tes orteils. Arrête. Jenny, Brian, vous êtes en couple. Bon, allez dans la baignoire. Non, je m'en fous. Ils sont extrêmes. Je m'en fous, c'est rien, c'est plein de questions. C'est trop dégueulasse. C'est trop dégueulasse. Vas-y. Ah, vous assumez pas? Ah, mets les commentaires, mets les commentaires. Mets les commentaires. Lève tes pieds. Ils doivent, les gars, est-ce qu'ils doivent faire ou pas? Les gars, ils doivent le faire. Mais lave tes pieds. C'est périlleux. Il va laver ses pieds avec du shampoing. Il doit même laver ses pieds 6 jours. J'ai vraiment plus de force. J'ai vraiment pas le cas. J'ai vraiment. Oh putain de merde. Allez, assume, assume. C'est bon, moi je vais assumer, moi je reste calme. Lèche les pieds de Itsu. Les pieds de Goya. Ah, je suis mort. Moi, c'est pas Itsu qui lèche tes pieds. Non, laisse. Moi je laisse pas les gens. Il lèche pas les gens. Après ça, ce sera vraiment ton frère. Ce sera vraiment ton frère. On arrive à un point critique. Attends, je dois bien filmer. J'ai filmé avec le savon. Désolé, j'ai verrouillé sans frais. Oh putain, dégueulasse. Dégueulasse. Bon, quelle dégoût, faut qu'on filme pas trop maintenant. Mais je suis obligé de filmer tes pieds, tu vas les lécher. Ah, attends, il doit se mettre à genoux, Boris. Boris, il doit se mettre à genoux. Boris, à genoux, arrête, je rigole pas avec toi. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Trop Vas-y. Jamais, je répète.
Allez, mais Boris, c'est un bonhomme, il a ses coups de gaz. On va voir ça maintenant. Ok, 3, vas-y. Voilà. 2, 1, allez, Boris. Oh putain. Oh mon frère. Vas-y, mon frère. Mes prix, on va voir mes prix après. Oh là là. Oh. Bon, Jenny, change. Vas-y, vas-y, vas-y. Trop. Okay. Vous devez le. Attends. Je sais que je peux mourir parce qu'il y a des. Non, c'est vrai, c'est la santé. Il a lavé ses pieds. Avec du savon. Vite, 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 frère. Mmh. Chocolat.